Cependant, elles restent victimes de discrimination en droit et en pratique. En dépit de tous ces revers, il y a quelques acquis. Comme je viens de le dire, un traité sur le commerce des armes a été adopté en avril de 2013, après les échecs enregistrés en 2012. Amnesty y a contribué pour beaucoup à l'issue d'une campagne qui a soutenu, particulièrement depuis l'année 2003, dont 1 million de signatures ont été recueillies à travers le monde. C'est un acquis important. L'Algérie a approuvé, donc, a voté pour donc, ce traité. Et un gros travail reste à faire. Il faut des signatures. Et pour que ce traité soit mis en œuvre, il faut donc la ratification. Et nous lançons un appel au gouvernement pour qui a voté pour sa signature et sa ratification. Voilà. La signature commencera le 3 juin. Je vous remercie pour votre attention.